Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez ou vous vous en doutez, donc la vidéo là, elle est consacrée donc à la présentation assez rapide du nouveau tracteur, hein, du coup. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, donc j'ai vendu mon John Deere 3036E. Et la question c'était donc un Kubota, un Niseki ou un John Deere? Bon, la réponse en image tout de suite. Et voilà. Donc je suis resté chez John Deere, hein, j'étais hyper satisfait. Donc là c'est un 40-49R avec cabine. Comme vous pouvez le voir, hein, il est propre. Donc c'est un tracteur d'occasion qui a que 200 heures. Donc je ne vais pas m'éterniser dans cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo, donc certainement la prochaine, avec vraiment les caractéristiques du tracteur, les capacités qu'il a par rapport à l'ancien et pourquoi j'ai fait ce choix. Donc voilà. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc par rapport au petit sondage que j'avais fait, hein, Kubota, Iseki ou John Deere, hein, il y en a un en particulier qui avait vu bon. Donc je fais cette petite vidéo parce qu'on m'a vachement sollicité, les gens ont hâte de voir quel était le nouveau tracteur. Donc ça fait plaisir d'avoir des commentaires comme ça, il y en a qui sont intrigués et puis on est de plus en plus... sur ma petite chaîne YouTube. Donc voilà. Allez, du coup je vous dis toujours pareil, à la prochaine pour une autre vidéo. Donc on détaillera vraiment le tracteur à ce moment-là. Allez, salut!